Là, je reviens sur le truc d'engrais. Ça me gratte. C'est un traitement préventif. C'est un traitement préventif. Allô? J'ai eu peur. Tout ce qui craignait le gel, donc j'ai mis tout ce qui craignait. J'ai commencé par les feuillus, j'ai fini par... Après forcément, plus on a d'arbres. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et c'est une technique qui a... Oui, 5 minutes. Pour que l'ensemble de la rémure... Ça, c'est bon, on m'entend, nickel. Et surtout pas faire de bêtises ou que... Petite bêtise que je vous avais dit, ça enregistre. Hein. Se développe et dès qu'elle rencontre, ça évite que les racines... Comme ça, ça évite que ça marque la racine. Et maintenant, le pot, ça évite. Je veux pas du tout diriger l'arbre vers la gauche, vers la droite. Voilà, là, on y voit beaucoup plus clair. Alors, ça y est, c'est déjà le bazar. Et maintenant, toute cette énergie... Oui, vite. J'ai fini dans 10 minutes. Il y a la branche de profondeur. Et je l'ai redressé vers le bas. Et je l'ai redressé vers le haut. Au niveau du rempotage, je vais utiliser un mélange de 50... Ça mettait beaucoup de temps à... Et il s'est remis... Plus le feuillage est dense, plus le feuillage se densifie et se compacte. Je le montrerai après. Effectivement, c'est quelque chose qui est très droit. Effectivement, c'est une branche. J'ai juste envie de vous montrer comment je prépare l'arbre à son futur. Et là, bah, c'est ça la vie de difficulté. C'est ça qui va être... Donc là, on va se mettre en plan un peu plus large. Donc j'ai retiré. Ce que j'attends de cette intervention, c'est que t'es... Oh non! Ensuite, ça nous amène... novembre, ouais. Et puis il y a aussi ce jean que j'aimerais prolonger éventuellement en... Et il y a ce jean aussi que j'aimerais prolonger... J'en suis sûr que j'en ai loupé un, bref. Alors, je vais essayer de me mettre de l'autre côté sans bouger la caméra. Donc on passe à un autre jean, là il est un peu plus rond. J'aimerais bien garder la petite partie qui monte. Waouh! Voilà, j'espère que ce sujet vous a plu. C'est un sujet... J'espère que ce sujet vous a plu. Et on peut voir qu'avant la session... Ah non. Et du coup, il a été mis en forme pour libérer les branches et aider à la mise en forme et aider au ligaturage parce que là, on va pouvoir ligaturer facilement jusqu'au bout des branches pour relever le pont. Pour relever le dernier bourgeon. Ça permet de très très bien, ça permet de ligaturer très... Ça... Donc c'était vraiment des branches... C'était vraiment des branches... Donc c'était vraiment des branches de... Donc effectivement, elles ont été... Et au final, c'est vrai que, bah, par exemple, pour cette branche-là... Et donc là, il y a deux choses intéressantes. Mais qu'il faut penser aussi au fait que on peut mettre en avant... Je sais pas comment dire. J'optimise la structure, je la simplifie, mais je la rends plus... Je vais essayer de le réaubaner. Ça a été une technique très utile. Il y en a un autre ici aussi. Donc c'est... Voilà, c'est... Voilà. Mais c'est vraiment cette branche qui... C'est vraiment cette branche qui pose souci. Donc au lieu de le... Oh merde. Je pense que je vais lui mettre un fil. Donc je vais mettre un fil tout autour.
Ça, c'est génial. Que beaucoup de... Ça, c'est vraiment l'erreur que beaucoup de débutants... Ça, c'est... En décembre 2000... Comment je peux dire ça? Donc là, cet atelier va permettre... vous allez avoir un peu plus... Vous allez avoir... vous allez avoir, en fait, une température interne qui sera beaucoup plus... Parce que si on commence à démêler les racines et puis qu'on fait des choses... Oh là! Ouais, bientôt fini. Par contre, c'est dur de vous montrer en même temps de l'autre côté. Voilà. Et la baguette chinoise qui... j'ai perdu. Oh, super, je suis en train de marcher sur des cailloux partout. Ça va être 2 heures de tournage, 1 heure de nettoyage. Ensuite, une question qui revient souvent, c'est Alexis, du coup, t'as fait le rempotage, c'est quand que tu rempotes? Que beaucoup de... Ça, c'est vraiment l'erreur que beaucoup de débutants... Ça, c'est... De l'engrais organique solide, notamment, là, cette première branche, où on a une... Notamment... Est-ce qu'on voit ça? C'est-à-dire que là, vous avez des... C'est-à-dire que vous avez des insertions... C'est-à-dire que vous avez vraiment des... Ah voilà, c'est... le problème c'est que c'est pas stable. Là, si je commence à ligaturer et puis à chaque fois que ça tombe, c'est chiant. Alors, le problème c'est que j'ai pas de cale en bois. Ah putain, il y a le fil. Alors, comment je vais pouvoir faire ça moi? Pour l'instant, je prends la grosse pince. Pour l'instant, je prends la grosse pince où il y avait vraiment des branches bien réparties, où il y avait bien des... Et que, bah... Et là, maintenant, je pense qu'on a... Alors, je vais le mettre comme ça. Quoi d'autre? Ah oui, et puis... Et qu'est-ce que je voulais dire? Bon, forcément, si on se met vraiment sur le côté... Allez, vous le voyez pas, là. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais continuer... Ah non, c'est pas ça. C'est un arbre. C'est un arbre que j'ai... Les vrais doubles ponts. C'est vrai qu'on avait... Le diamètre de l'arbre secondaire doit être plus fin que l'arbre primaire. Donc le diamètre... Le rouge marron, le marron rouge de la veine vivante. Je garde toujours. Alors par contre, j'hésite en fait à le couper. Mais ça peut se rattraper. Mais ça peut se rattraper. Mais ça peut se rattraper. Donc j'ai supprimé quand même pour qu'il puisse avoir une séance. Ouais, non, mais ça reste en... Donc c'est déjà une branche morte, mais il faut. Où est ma pince? Noir verdâtre, donc ça commençait on commençait qui était peut-être trop long ou trop simple, qui avait pas de complexité, il n'y avait pas de... Donc là je vais juste vous montrer, donc je vais vous montrer rapidement en fait là sur le sur l'écorce, donc il y a granulométrie, donc granulométrie 100, et du coup bah forcément on peut commencer par on commence par la... pour que ça aide à imprégner bien, pour que ça aide à bien imprégner le liquide adjin. Elle est un peu rouillée. Et c'est parti. Je vais juste le relever un peu. Ok, bon, je vais faire de haut en bas, de bas en haut de toute façon. Il y a l'odeur quand même. C'est agréable. Et tous ces pompons en fait ont des petites flèches, donc ça va être... l'arbre est vraiment optimisé. L'arbre est vraiment optimisé au niveau équilibrage.
L'arbre est vraiment optimisé au niveau équilibrage de l'énergie. Il sera arrosé copieusement, régulièrement. J'apporterai de l'orgueil. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et faites du bonsaï. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on fait le bilan sur toutes les interventions de cette... comment je peux dire ça? Donc en mai de... Et j'ai voulu faire le bilan... Et dans cette vidéo, j'ai voulu faire le bilan d'un an de travail sur... J'ai voulu faire le travail... Où vous faites 50-50, ou sinon vous faites 50-50, Puzzolan, à... La ligne de tronc, pour moi, il n'y avait rien à changer, et... Non, j'ai quitté juste YouTube. J'ai rien fait, moi. J'ai ouvert un onglet, j'ai regardé YouTube, j'ai fermé YouTube. Deux à quatre feuilles sur une tige. Comment je peux dire ça? Soit je garde des tiges, je regarde celles que je garde. Donc imagine ce que. Bonjour à tous. Aujourd'hui je vais faire. Bonjour à tous. Aujourd'hui je vais faire une taille en verre. Et ça va favoriser. Pour rattraper toute la surface qui lui servait de photosynthèse. Là, c'est vrai que je suis reparti un peu de la base. Je suis reparti un peu sur le. J'essaie de limiter la durée de la pousse. Et ensuite, vous avez plusieurs ramifications à ce niveau. Ah, mais on voit rien. Alors, je vais juste essayer de décaler cette branche, c'est ça qui est embêtant. Hein. Et le fait d'avoir que. L'idée c'est de repeler. Pour l'instant, j'ai pas forcément. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas. Vas-y, tu vas me le chercher tout matin? Allez, j'y vais. Oh, oh là! Ah bah, c'est pas du tout naturel. Donc là, le générique et tout. Et le titre de la vidéo, ça va être comment sauver un fécu ginseng, peut-être. Ouais. Un truc comme ça. Ou alors j'ai sauvé le ficus ginseng de tout matin. Des papilles. Ou... J'ai sauvé un ficus ginseng. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va. Comment je peux dire ça? T'as des doigts de fée, Alexis, c'est pas possible. Ouais. Là, il faut couper. Truc, D'ailleurs, j'ai oublié la pince. Putain, j'ai oublié la pince dehors. Elle est où? Non, mais je vais pas montrer que je coupe comme ça. Ah, ok. Ah oui, il y en a pas. Ouais, il y en a peut-être pas assez. Salut. Coucou. Le truc hors champ, c'est qui? Ok. Ah, ça tourne. Ça va? On ferme ou tu vas faire un... Oui, si, parce que tu vas prendre la douche. Bon, bah, à toutes, ça va, t'es crevé? Il fait pas de bruit. Ok, donc ça, le nettoyage est fini. Je vais bien me rincer les mains. Ah, rien. Merci. C'est bon. Là, c'est vraiment. C'était quoi ce gargouillis du diable? J'ai trop peur. C'est vrai que ça ouvre l'appétit, le bonsaï. Hein. N'importe quoi. Du coup, la prochaine étape, ça va être l'arrosage. Donc, comme je t'ai dit, on va aller dehors. Donc, je vous mets les plans. En fait, on est allé dehors. Comment je peux dire ça? Est-ce que je fais comme si style on avait fait ou... Non, on va le faire après la vidéo. Donc on va l'arraser après. Ok, ça y est, on a fini le rempotage. Donc ça s'est plutôt bien passé. T'en penses quoi? Il est magnifique. En fait, j'aurais pas dû te laisser un blanc. Merci, okay. Alexis. Bon, et puis la phrase pour finir. Faites du bonsaï. Vous avez vraiment les rameaux qui sont nus. Mais il y a quand même quelques extra
Mais il y a quand même quelques... Mais là, pour ça, il faudrait la pince ronde. Oui. Vite. Ah, d'accord. Ok. Pour créer toute la ramure, pour créer... Et je vous tiendrai au courant de la réaction de cette arme. Et je vous tiendrai au courant de la réaction de cette arme au fur et à mesure... Et je vous tiendrai au courant de la réaction de cette arme au fur et à mesure de... Et je vous tiendrai au courant de... En tout cas... Et faites du bonsaï. Déjà, à force d'arroser... Déjà en arrosant sur cette... Donc vous pouvez voir sur... Et le fait que ce soit incliné... les nouveaux bourgeons vont être bien dirigés. Donc ça, c'est... Ça prend toujours du temps, mais au moins... Donc ça, c'est... Mais je pense que le... Je pense que le fait que j'ai fait le Yokosai... Mais je pense que... On va passer à la branche arrière. On va passer à la première branche. Oh putain. On est sur la première branche de gauche. Donc là, je continue à monter sur l'arbre. Donc là, on continue à monter dans l'arbre. Et puis là, comme tout à l'heure, la tige. Ah, bah non, c'est bon, j'étais. Ah, mais là, vous voyez pas. Hein. Vous voyez pas du tout. Parce que là, c'est quand même super intéressant. Hein. Cette branche. Et la branche, elle continue. Et la branche. On se remet en plan large et je vais couper la. La branche de tête. Donc on se remet en plan large. Donc c'est bon, j'ai fini la taille. Là pour l'instant les départs au niveau de l'arrosage c'est comme les autres. Au niveau de l'arrosage et pour me débarrasser des coccinelles et pour me débarrasser des pucerons. Hello. Très bien. On fait en français alors. Oui. Et mon anglais est un peu spécial aussi, mais ça va le faire. Au moins les questions seront propres et puis on prend. Ok. Now I'm recording. Yes, officially. You did the clap. Yes, for yes, me. Exactly. I want to see my smartphone, but I have to look the camera. No, yeah, sure, me too. I move away my phone and then I just look straight at the camera. Yes, I see your Italian accent. And do you see my French accent? Okay.